Nous acclamons le Seigneur là où tu es. Petit quelqu'un qui peut pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ah, je disais, y a-t-il quelqu'un qui peut pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus? Notre Dieu, notre roi, notre maître, notre Seigneur, notre Dieu qui nous fait beaucoup de temps ce matin. Si nous sommes venus au Seigneur, c'est parce que nous savons que nous avons un Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Y a-t-il quelqu'un qui peut encore l'acclamer? Y a-t-il quelqu'un qui peut pousser des cris de joie? J'aimerais te rappeler que Jéricho est tombé par des cris. Jéricho est tombé par des clameurs. Jéricho est tombé par des cris. Jéricho est tombé par des clameurs. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur comme si c'était la dernière fois qu'il le faisait en ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui peut pousser le cri de joie? À l'honneur de notre Dieu, poussons vers l'éternel nos cris de joie, poussons vers l'éternel nos cris de joie, notre maître et notre roi. Le psalmiste est en train de dire, portez, levez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est donc ce roi de gloire? C'est l'éternel fort et puissant, c'est l'éternel fort et puissant. Voici donc ce roi de gloire. Y a-t-il quelqu'un maintenant qui peut encore acclamer le Seigneur? Ne t'arrête pas de le faire. Acclame le Seigneur et pousse ton cri de joie. Fais cet exercice que de l'acclamer. Fais cet exercice que de pousser le cri de joie en l'honneur de son nom. Certainement fatigué, mais poursuivons parce que Jésus est notre force, parce que Jésus est notre maître. Même s'il arrive que nous sommes fatigués, nous puissions dans notre ressource et nous disons, Jésus-Christ est notre force. En ce matin, précieux Saint-Esprit, nous venons te dire combien sans toi nous ne sommes rien. L'apôtre Paul est en train de dire, parlons aux Philippiens, il leur dit, ne vous inquiétez de rien, mais à chaque chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, mais aussi par des actions de grâce. La fin, c'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer pour la paix de Dieu? La paix de Dieu qui est incirconstancielle. Là où les gens disent qu'il n'y a pas paix, toi tu es en train de crier paix parce que tu as Jésus. Ah, quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Là où les gens disent que tu dois pleurer, toi tu es en train de te rejouer parce que tu as la promesse du Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui peut encore pousser le cri de joie en l'honneur de Jésus? Nous ne parlons pas d'un homme, nous ne parlons pas d'une dénomination ecclésiastique quelconque. Nous parlons de celui qui a créé le ciel et la terre. Ah, celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui t'a façonné. Celui qui te fait du bien. Celui qui te transforme. N'arrête pas de l'acclamer. N'arrête pas de pousser le cri de joie en l'honneur de son nom. Jésus ton maître. Jésus ton roi. Il est capable de te ramasser dans la poussière, dans la saleté. Et te faire asseoir parmi les grands. Oui, nous parlons de celui qui est capable de nous laver. La parole de Dieu est en train de déclarer. Même si vos péchés étaient rouges comme les cramoisis, il est capable de le rendre blanc comme la neige. Nous parlons de ce maître. Nous parlons de ce roi. Nous parlons de ce Dieu merveilleux. Jésus, notre roi, reçois nos offrandes. Reçois, précieux Saint-Esprit, l'offrande de nos mains, allais-je dire. Seigneur, reçois l'offrande de nos mains. Seigneur, s'il te plaît, ces acclamations qui sont en train de monter ne sont pas pour un homme. L'homme n'a rien à voir avec ces acclamations. Ces acclamations qui sont en train de monter sont pour toi, notre Dieu et notre roi. Laisse que ce culte soit un culte merveilleux. Précieux Saint-Esprit, il y a au Seigneur ce que Jacob avait vu alors qu'il était en train de dormir. Il pouvait voir clairement dans son esprit le ciel être ouvert et il vit une échelle qui reliait le ciel et la terre. Sur cette échelle, il y avait quelque chose d'important. La Bible déclare que les anges montaient et descendaient. Qu'il y ait au Seigneur des anges qui montent et qui descendent. Des anges qui montent avec nos problèmes et qui descendent avec les solutions de nos problèmes. Précieux Saint-Esprit, fais du bien. Et à son réveil, il dit, certainement Seigneur est la porte du ciel.
certainement ces lieux et la porte du ciel. La prière et le vœu de mon cœur en ce matin, c'est que vie nouvelle, maison de transformation, soit la porte du ciel pour quelqu'un. Bénis-nous, fais-nous du bien. Nous t'avons ainsi prié par ton nom si précieux. Nous disons Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Très heureux d'être au milieu de vous. Comme un intrus. Parce que cette place est connue être la place du pasteur Willy, qui ce matin, avec sa chère et tendre épouse, présente au Seigneur un cadeau du ciel. Amen. Maintenant, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Donc, le couple, pasteur Koukou, présente Aurélia Koukou. 5 jours. Elle est le mardi. Elle est le mardi 15 juin. 5 juin. Quand je me rappelle que j'avais présenté mon premier enfant, je ne sais pas avec combien de temps de retard. Mon deuxième, c'était 6 mois. Je bénis le Seigneur. Ça, c'est un exemple à suivre. Pasteur, vous êtes un modèle. Nous vous prions de venir après que nous présentons l'enfant au Seigneur. Et que des enfants suivent dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Éternel Dieu de gloire, Éternel Dieu tout-puissant, merci Seigneur pour ce miracle que tu viens de réaliser. Merci Éternel Dieu pour ce beau bébé, Éternel Dieu, que tu viens de donner, Seigneur, au couple de ton serviteur, dis-je, de tes serviteurs, Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu le roi des rois, toi qui as un projet avec le Seigneur, cet enfant au Père. Nous te prions, Éternel Dieu, de le garder, de le protéger. Éternel Dieu, de le couvrir, Seigneur, d'une protection particulière. Et que, Seigneur, qu'elle puisse grandir, Seigneur mon Dieu, dans la crainte de ton nom. Et que sa majorité, qu'elle soit juste pour toi, Seigneur, et qu'elle te serve. Toi le vrai Dieu, toi le Dieu véritable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne aussi sagesse, intelligence, Seigneur Dieu de gloire, à ses parents, et aussi des moyens, Seigneur, pour faire grandir cet enfant éternel, Dieu de gloire, dans de meilleures conditions. Que cet enfant, Seigneur, marque sa génération et se distingue au milieu de cette génération. Et cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? On acclame le Seigneur, on acclame les dieux puissants, on acclame les dieux qui ne vont jamais. Est-ce que tu peux encore acclamer? Acclamer le Dieu d'amour, acclamer celui qui est élevé au-dessus de toutes choses. Est-ce que tu peux encore acclamer, pousser le cri de joie, pousser le cri de joie, pousser le cri de joie à celui qui est digne d'être élevé, à celui qui est digne d'être élevé. La Bible dit, tel que Moïse a élevé le serpent dans le désert, tel doit être élevé le nom de l'Éternel, le nom de Jésus.
Ce matin, nous venons élever le nom de Jésus. Nous venons élever le nom de celui qui règne à jamais. Comme Moïse dans le désert a élevé le serpent des reins, nous, ce matin, nous venons élever le nom de Jésus. Nous venons élever le nom de Jésus au-dessus de tous nos problèmes, au-dessus de tout ce qui nous dérange, au-dessus de tout ce qui peut passer en premier. Nous venons élever le nom de Jésus-Christ. Amen.
est ta voix pour élever le nom de Jésus. Et là, pour qui en es-toi, est-ce que tu peux élever ta voix pour glorifier le nom de l'Éternel, le Seigneur de Seigneurs, notre bien-être celui. Nous dirons tout de bien dans sa présence. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ce n'est que dans ta présence, dans sa présence que nous le recevrons. Ô Dieu, nous n'avons que toi. Je n'ai ni pas ma colo, je n'ai plus ma maille. Je n'ai pas ni dans le cœur, je n'ai pas mon sang, tu as l'eau là. Je n'ai pas la gâte, je n'ai mon bali. Jésus, il est comparable à toi. Il est comparable à toi. C'est toi notre assurance. C'est toi notre Seigneur. C'est toi notre bien-être, Père. C'est toi notre reconfort. Ce matin, nous venons devant toi. Le Dieu qui n'abandonne jamais, qui ne te laisse jamais. Nous devons dire, Colo, nous devons dire, on est toi, main. Nous devons dire, à l'eau, mon saint, parole. Nous devons dire, à l'eau, pour élever mon pari, Jésus. Nous devons dire, à l'eau, mon papa, à l'eau. Jésus, ma sia, et Jésus, la main. Nous devons dire, à l'eau, mon saint, parole. Nous devons dire, à l'eau, pour élever la main, à la babosia. So
makasi na ngai Yesu kimya bomoi na ngai Yesu on est nous ce Seigneur Yesu 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 Et si ma monte ma la soie papa que panayo, ici pas la bombo et papa katende yo mon sang à l'ola. Ici pas la bombo et papa katende yo Yesu Masia. Yo no posa kate mon sang à l'ola. Jésus, c'est toi notre assurance. C'est toi notre assurance. C'est toi qui nous remplis de vie, Seigneur. En toi nous trouvons la vie. Et pas la honte de soi pas bon monde. Et pas la honte de soi pas bon monde. Yo no sa ma casse na biso. Merci Jésus ce matin. Merci Jésus ce matin. Bonne année pour Misama. Bye.
Non seulement que tu existes, mais que tu rémunères tous ceux qui viennent auprès de toi. Amen. Ta parole me dit, Seigneur, ceux qui tournent vers toi, le regard ne sont jamais couverts de honte. Seigneur, leur visage rayonne toujours de joie. Seigneur, nous sommes rayonnants de joie ce matin. Nous sommes rayonnants de joie ce matin. Parce que tu es au rendez-vous. Parce que tu es au rendez-vous. Quand le binôme n'a dit, ce sont les papa, les hommes et ma polo, ça n'a pas Alléluia. Gomboyo, 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 ya Yesué. Gomboyo, 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 ya Yesué. Yes, you're a
Le Dieu tout puissant, le Créateur qui sera la
les montagnes. C'est lui qui est capable d'aplanir les montagnes. C'est lui qui est capable de commencer un chemin qui n'a jamais existé dans votre vie, dans votre famille, dans votre nation, dans votre génération. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite l'exaltation. C'est lui qui mérite l'élévation. Il n'y a point d'égal à lui. Dans les cieux, sur la terre, il n'est comparable à lui. Il n'est semblable à lui. Les grands passent, les plus grands surpassent, mais lui demeure éternellement. Il mérite l'honneur, il mérite la gloire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons nous asseoir. Je bénis le Seigneur, je réalise que l'Église est vraiment préparée à l'adoration. Alléluia. Amen. Je suis prêt à continuer à adorer les amis. Bien-aimés, ce matin, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager quelque chose. Je m'appelle Didier Moulolo. Je suis un de pasteurs assistant à notre église mère, comme nous l'appelons, de Mongafula. Alors ce matin, nous allons lire un texte, et je crois que chacun de nous l'a déjà au moins lu ou entendu. C'est Luc, c'est dans le livre de Luc, chapitre 10. Et nous commençons par le verset 25. Luc 10, chapitre 10, nous commençons le verset 25. La Bible dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu peux déjà souligner ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups, et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion, lorsqu'il les vit, il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai en mon retour. Jésus lui pose maintenant la question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le docteur répond. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alléluia. Va
victoire faite là. Le thème que nous voulons partager ce matin, c'est l'amour du prochain. Alléluia. Amen. L'amour du prochain. C'est peut-être basique. Alors que je préparais le thème pour notre retraite de l'évangélisation, où nous voulons parler le Saint-Esprit et l'évangélisation. Mais de plus en plus, le Seigneur m'a mené vers le texte qui parle de l'amour. J'ai compris que l'amour est l'onction supérieure. Alléluia. Amen. L'amour est l'onction supérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce juste, approprié et opportun de parler encore de l'amour dans le monde? Dans ce monde où le cœur se refroidit de plus en plus, où les gens s'enferment sur eux-mêmes, dans ce monde où chacun cherche à privilégier ses intérêts, ses avantages, où chacun se préoccupe de ses priorités, est-ce qu'on peut parler de l'amour encore? Est-ce qu'on peut parler de l'amour? Si oui, mais de l'amour du prochain. Oui. Plus qu'hier, ce monde a besoin de l'amour. Alléluia. Face à toutes ces violences qui montent, tous ces conflits qui montent, j'étais dans un coin du pays où les gens sont en train de parler avec joie. Tout joie qui est, tout bêtis, tout boumier, tout mouillé et tout lié. Je ne parle pas d'un autre pays, je parle dans ça. Est-ce qu'on peut encore parler de l'amour? Face à l'égoïsme excessif, des plus forts, qui cherchent toujours à écraser les faibles. Est-ce que nous pouvons encore parler de l'amour? Au point où on dit, ici à Kinshasa, au Kwei Batikio. C'est ce que ça signifie, non? Donc tu donnes, nous nous passons. Est-ce que nous pouvons encore parler de l'amour? Bien aimé, le monde exprime en voyant tel qu'il se comporte. En réalité, le monde exprime le besoin d'un véritable amour. Alléluia. Si quelqu'un disait que Christ est à la porte, je lui dirais que tu n'as pas tort. Parce que le monde aujourd'hui exprime le besoin d'un plus grand amour. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Donc il est important, il est encore opportun de parler de l'amour dans ce monde, malgré l'état où ça se trouve. Et dans le texte que nous venons de lire, et comme j'avais dit, presque chacun de nous a déjà lu ce texte ou entendu. Les docteurs de la loi viennent voir Jésus et lui posent une question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Mais si la question nous est posée, nous, prédicateurs aujourd'hui, ou chrétiens aujourd'hui, nous pourrons simplement dire à la personne, répands-toi, accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et tu seras sauvé. Et tu auras la vie éternelle. Et comment le Seigneur Jésus a fait cette tournure? Et la Bible nous dit que cet homme posait la question comme voulant piéger. Mais il veut piéger le maître. C'est comme ça que le maître, il regarde, il dit, ce monsieur, c'est le docteur de la loi. Donc il connaît la loi. Alors je vais le ramener dans la loi. Qu'est-ce que dans ta loi on dit? Il dit dans la loi, on dit,
tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et après, tu aimeras les prochains. Mais on ne s'arrête pas là, comme toi-même. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur lui dit, oui, mais c'est là que tu vivras. Certainement, les docteurs ont constaté que la première partie, on peut la voiler. On peut facilement voiler. Parce que comment savoir que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? On peut le voiler. C'est-à-dire, on peut tromper partout. Mais la deuxième partie a semblé difficile au docteur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ça devient compliqué. Parce que là, c'est vérifiable. Alléluia. Amen. C'est vérifiable. Et c'est vérifiable, ça devient même comme les témoignages que celui qui aime le prochain véritablement a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est-à-dire, il est impossible de haïr le prochain et de prétendre qu'on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toutes ses pensées. Voilà pourquoi le docteur a posé la question. Oui, maître, mais qui est mon prochain? Alléluia. Et je crois que ce matin, nous posons la même question. Qui est mon prochain? Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons essayer de voir quatre petits points. Le premier, qui est mon prochain? Le deuxième, essayez de voir le modèle du maître par rapport au prochain. Comment Jésus, lui, s'est comporté par rapport au prochain. Alléluia. C'est le modèle que nous devons suivre. Le troisième, nous allons voir l'exemple des chrétiens de l'église primitive. Ceux qui ont commencé avec le Seigneur. Comment ils se sont comportés par rapport au prochain. Et le quatrième, le dernier, c'est-à-dire comment nous devons aimer les prochains. Alléluia. Qui est le prochain? C'est très important. Et c'est la question que le docteur a posée. Qui est mon prochain? Pour que je l'aime, je dois le connaître. Deux, nous allons voir le modèle du maître. Comment le maître se comporte vis-à-vis du prochain. Trois, l'exemple de chrétiens de l'église primitive à propos du prochain. Et enfin, nous allons voir comment nous aussi nous devons aimer le prochain. On est ensemble? Bien aimé, le prochain c'est qui? J'ai essayé de catégoriser le prochain. La première catégorie du prochain est constituée pour moi et ma femme et de mes enfants. C'est la première catégorie du prochain. La deuxième catégorie est constituée de mes parents, de mes frères, de mes soeurs biologiques. La troisième catégorie est constituée de mes frères et soeurs dans le Seigneur. La quatrième catégorie est constituée de non-croyants. Et dans les non-croyants, nous avons même la dimension de mes ennemis. Alléluia. C'est le prochain. Première catégorie, femme, enfant. Deuxième, frères et sœurs, parents. Troisième, frères et sœurs dans le Seigneur. Et quatrième, le non-croyant. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont dehors. Mais le Seigneur me demande d'aimer le prochain. Comment? Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons voir que pour la première catégorie et la deuxième catégorie, les choses sont un peu plus faciles. C'est plus facile pour moi d'aimer mon enfant, d'aimer mes enfants, d'aimer mes parents,
et même mes frères, ses soeurs, biologie, c'est plus facile. Bien que dans certaines circonstances, nous trouvons que ça, c'est compliqué. On est arrivé dans une parcelle, deux soeurs des mêmes parents, une habite à l'étage, l'autre en bas. Mais ils ne se parlent pas. Même père, même mère. Donc, elles sont à l'étage, soit elles sont dans ce lot-là. Donc, aussi, si vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Mais vous allez vérifier après, même frère, même soeur. Alléluia. Donc, l'amour, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Pour la troisième catégorie, frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous nous trouvons, nous allons voir qu'il y a un travail à faire. Et pour la quatrième catégorie, le non-croyant, ceux qui sont en dehors du Seigneur, il y a aussi un travail à faire. Alléluia. Et j'ai même l'impression que c'est là où Dieu nous attend le plus. C'est là où Dieu nous attend le plus. Bien-aimés, voyons le modèle du maître. C'est notre deuxième point. Le modèle de Christ par rapport au prochain. Comment Christ, lui, s'est comporté vis-à-vis du prochain? Et pour cela, nous allons lire d'abord Luc 14, 18, pour voir déjà. Luc, qu'est-ce qu'il dit? Luc 4, 18. La Bible dit, et c'est le Seigneur qui déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la déclaration du maître. Regardez ce qui s'est passé dans cette histoire que nous venons de lire. L'homme a été frappé, tabassé, dépouillé par des brigands. Il est tombé, la Bible dit, à demi-mort. La première personne à passer là-bas, c'est les Lévites, les sacrificateurs. Il arrive, il trouve la personne, il peut avoir raison. Ah, peut-être c'est un piège. Si je m'approche là-bas, on risque de me prendre. Parce qu'on connaît sur les routes à l'intérieur du pays, on connaît des pièges comme ça. On vous a piégé, et quand vous pensez secourir la personne, et on vient vous prendre. Il peut peut-être avoir raison. Mais je crois qu'il était plus préoccupé par le travail qu'il attendait au temple. Il est parti. Les Lévites arrivent aussi. Les Lévites, peut-être il est à la chorale. Peut-être il est à l'accueil. Lui aussi trouve la personne. Et il passe. Pourquoi? Parce qu'il doit arriver avant. Sinon, le pasteur lui va dire, non, moi je n'aime pas des ouvriers disciplinés. Tu dois arriver avant, à l'heure. Et il est passé outre. Pour répondre à ses devoirs religieux. Mais la Bible dit, un bon samaritain, il passe aussi par là. Il avait certainement des affaires à faire. Il avait des choses à faire. Mais il regarde, il trouve une personne, presque à demi-mort, dépouillée. La Bible dit, il a eu de la compassion. Alléluia. Il a dit, non, j'ai mes priorités. Mais cette personne devait la priorité des priorités. J'ai mes priorités, mais cette personne devint la priorité des priorités. La Bible dit, il va prendre la personne. Il va laver la personne. Il va mettre la personne même sur la monture, c'est-à-dire l'endroit où lui était. Et il va conduire la personne à une hôtellerie. Et il va demander qu'on prenne soin de la personne. Et il va même dire, tout ce que vous allez dépenser de plus, moi je suis prêt à venir rembourser à mon retour.
Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ voulait démontrer déjà au docteur que le christianisme, c'est une vie. Alléluia. Ce n'est pas une religion, c'est une vie. Alors que nous sommes église, la mission que le Seigneur nous a donnée n'est pas dans l'église. La mission que le Seigneur nous a donnée, en réalité, est en dehors de l'église. Alléluia. Lévites, sacrificateurs, nous nous précipitons au lieu. Parfois même, nous pouvons nous commencer à nous disputer même des places. Bon, qui est le premier des ouvriers que le pasteur aime? Mais la mission, c'est les personnes qui sont tombées, qui sont par terre, à demi-nombre. C'est ça où se trouve la mission. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ étant venu, c'est dans Actes 10, 38, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Il allait de lieu en lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la mission de Christ, notre modèle, c'est de secourir. Alléluia. Aller vers le faible, aller vers ceux qui ont le besoin, aller vers ceux qui sont dans les difficultés et leur apporter le secours qu'il faut. Alléluia. Et vous savez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a pris l'image du Samaritain? Parce que les Juifs et les Samaritains avaient des problèmes. Donc, lui, le Juif, le docteur de la loi, on lui fait comprendre que lorsqu'il est question d'avoir un véritable amour, il n'y a pas de distinction. Alléluia. Qu'il soit jaune, vert, riche ou pauvre, et qu'il soit chinois ou néerlandais, qu'il soit, Moulouba, Mouswahili, Moukongo, ça n'a pas d'importance en matière d'amour. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Le Seigneur voulait faire voir au docteur que aucun effort humain ne peut sauver l'homme. Alléluia. L'homme a besoin de la grâce de Dieu. Bien aimé, le véritable amour, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut la demander. Moi, des fois, je me plains quand quelqu'un dit, moi j'ai l'amour, moi j'aime tout le monde. Au coup, quand on l'attend. Parce que moi, je l'en demande chaque jour. Alléluia. L'amour pour aimer Dieu et l'amour pour aimer les prochains. Le Seigneur voulait faire croire au docteur de la loi. Malgré la connaissance de la loi que tu as, malgré que tu peux prétendre que tu aimes Dieu, mais il y a un travail à faire dans l'amour du prochain. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour toute l'humanité. Il est venu pour faire le faible. Et la Bible dit, je le dis, il est allé de lieu en lieu faisant du bien. De lieu en lieu. Il n'a pas attendu qu'on lui amène les gens, mais lui allait vers les gens. Et Jésus avait la compassion. Alléluia. Il avait la compassion. Lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare, il était profondément touché. Il avait de la compassion. Lorsqu'un jour, il a vu cette femme veuve, une veuve qui avait un fils unique et ce fils unique est mort. Et lorsqu'il a rencontré ce cortège, non, Jésus était ému de compassion. Il s'est mis à la place de cette femme. Non seulement il se soucie de son mari qui est parti, mais en plus, son fils unique qui était la consolation est parti. Jésus avait de la compassion. Alléluia. Et Jésus a prié pour la résurrection de cette femme. Je vous dis ce matin, la plus grande onction, c'est l'amour. Alléluia. La plus grande onction de l'amour. Que dire de notre maître qui est venu nous ramasser dans la boue du péché, dans la poussière de la malédiction? Poussière de la malédiction. Vous savez, quelqu'un est en train de tourner comme ça, mais c'est dans la malédiction.
dans la boue du péché. Il nous a ramassés. Il nous a lavés par son propre sang. Et il nous prend. Il nous introduit dans sa famille. Nous sommes aujourd'hui devenus concitoyens des saints, gens de la maison de l'Éternel. Il nous donne une place d'honneur. C'est-à-dire, dès que nous sommes là, nous avons une place d'honneur dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'en parlant du Samaritain, Jésus n'était pas en train de parler de son ministère, de son véritable ministère? Nous étions aussi dépouillés par le diable. Nous étions sous l'empire de l'ennemi du diable. Mais quelqu'un est venu à notre secours. Alléluia. Lorsque les amis pouvaient nous abandonner, lorsque même les membres des familles pouvaient nous abandonner, même les religieux nous ont abandonnés. Alléluia. Même les religieux nous ont abandonnés. Les sacrificateurs, les lévites peuvent nous abandonner. Mais il y a un seul qui ne peut pas nous abandonner, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il vient vers les faibles. Il vient vers les faibles. Pour le secourir. Pour le ramener à la vie. Alléluia. J'ai comme l'impression que le Seigneur a une spécialité. C'est-à-dire prendre des choses faibles, prendre des choses négligées, prendre des choses qu'on ne donne pas de cas. Lui, il les valorise et il donne un cachet spécial. De sorte que quand ça passe, on regarde, on dit, ça c'est Jésus. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi dans le Seigneur, il ne faut jamais te décourager. Que tu sois faible, que tu sois pauvre, regarde vers le ciel. Alléluia. Regarde vers Jésus. Sa spécialité, c'est de prendre des choses faibles, négligées, abandonnées, oubliées. Et lui, il les transforme et leur donne un cachet spécial. Marque déposée, Jésus. Alléluia. Marque déposée, Jésus. Bien-aimé, notre Seigneur, regardez ce texte avant que nous puissions passer à l'exemple de l'église primitive. Éphésiens chapitre 2, 11 à 13. Qu'est-ce qu'il est dit à propos de ce que le Seigneur est venu faire? Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Voilà le comportement de Christ envers le prochain. Le comportement de Christ envers le prochain. Lorsque cette femme cananéenne est venue pour demander la guérison de sa fille, le Seigneur, les disciples disent non, il faut la chasser. Et le Seigneur a même répondu à la femme, non, moi je ne suis pas venu d'abord pour vous, je suis venu pour les brebis d'Israël. Et la femme a insisté pour dire, non, moi je ne demande pas le pain que tu vas donner aux enfants, mais moi je demande les miettes qui tombent de la table que les chiens peuvent manger. Et Jésus a regardé et dit, ça c'est une dimension élevée. Donc cette femme est entrée totalement dans mon ministère. C'est ça que ça signifie. Parce que le ministère de Christ était pour toute l'humanité. Mais il était en train de le faire en phase. Mais cette femme a sauté la première phase pour entrer dans la phase finale de la mission de Christ. Et le Seigneur a dit non, tu as touché. Alléluia. Donc le comportement du Seigneur vis-à-vis du prochain, c'était l'amour pour tout le monde. Alléluia. L'amour pour tout le monde. Regardez maintenant, bien-aimés, l'exemple de l'église primitive. Comment les chrétiens de l'église primitive se sont comportés? Comment ils se sont comportés? Lorsque vous êtes dans Actes chapitre 2, 42 à 47, la Bible nous dit, ils
persévérer dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les prières. Il persévérait dans la communion fraternelle et dans les fractions du pain. Et ils étaient en train de partager, de mettre en commun même tous leurs avoirs, au point que personne n'était dans le besoin. Et ils se faisaient beaucoup de miracles au milieu d'eux. Et des gens venaient davantage, venaient de plus en plus se joindre à ces groupes. Alléluia. Moi, je crois que sous l'action du Saint-Esprit, il y avait deux choses qui attiraient les gens. Il y avait certes le miracle, mais il y avait un plus grand miracle, c'est l'amour qu'il voyait entre les frères. Alléluia. Lorsqu'il les voyait vivre, lorsqu'il les voyait se comporter, les gens disaient, mais ces gens sont différents. Ce monde où l'amour disparaît de plus en plus, ce monde où chacun devient, cherche seulement ses propres intérêts. Mais comment expliquer qu'il y ait des gens qui vivent dans une telle communauté, qui vivent dans une telle entente, des gens qui ont un tel amour? Comment est-ce que cela est possible? Ils avaient envie de se joindre à elle. Alléluia. Et la Bible nous dit que de plus en plus, les gens se joignaient à ses disciples. Les gens marchaient avec eux. Alléluia. Les gens marchaient avec eux. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin que le Saint-Esprit, il répand sa puissance, mais le Saint-Esprit répand aussi l'amour de Dieu dans le cœur. Alléluia. Il répand la puissance. Il nous bénit, il nous remplit de puissance. Mais il répand aussi l'amour de Christ, l'amour de Dieu dans le cœur. Et ces gens manifestaient cet amour. Et cela pouvait attirer un plus grand. Un plus grand. Donc je veux dire, un des piliers de l'Église, pour nous, l'Église, un des piliers, c'est la communion fraternelle. Alléluia. L'amour entre frères et sœurs. L'amour entre frères et sœurs. C'est très important. Et nous allons voir dans notre quatrième point comment nous devons aimer les prochains. Nous venons de voir le modèle de Christ par rapport à l'amour du prochain. C'est tout son ministère marqué par la compassion. Chaque fois qu'il trouvait quelqu'un dans le besoin du salut, dans le besoin de la délivrance, la Bible nous dit qu'il était ému de compassion. À cela qu'il n'a pas le droit. N'a pas le droit de mettre l'ombre dans la situation. Alléluia. Yesu, ce qui a mon mutoise dans la difficulté, souci n'a pas le droit de mettre l'ombre dans la difficulté. Attends, vous mettez l'ombre à vos côtés. Mais Yesu, si n'a pas le droit de mettre la difficulté. Ému de compassion. C'est-à-dire, il se met à la place de la personne. Il commence à souffrir comme la personne souffre. Alléluia. Aussi, on a un niveau. Un niveau où nous avons un problème. On s'approche naïe et on commence à sentir comme la personne sent. Cela est possible seulement lorsqu'on a l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est même la base d'une véritable intercession. Quand tu commences à sentir en toi les problèmes que l'autre sent, et que tu te mets à prier pour cette personne, cette intercession sera efficace. Alléluia. Voilà pourquoi cette église primitive allait de l'avant. Parce que les gens étaient proches les uns des autres. Les gens pouvaient se parler. Frère, dans les colons, en tout cas, finance le boulot. Dernier, finance le boulot. Même transport, papa, on ne peut pas faire ça. C'est vrai. Après, on va oublier. Éternel Dieu de gloire, tu nous as appelés à te servir.
Mais tu as voulu aussi, Seigneur, que nous ayons la connaissance des choses de ce monde. Éternel, pourvoi? Et si peut-être à ce moment-là j'avais 2000 francs, frère, sois nommé. Donnez-nous dans le lot. Comment nous amener à ça? Alléluia. Bien-aimés, cette église, c'est la puissante et toute autre église. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, on était dans une cellule à Salongo. Nous avions vécu un peu aussi cette communion fraternelle. On peut terminer la réunion comme ça. Voyez un frère qui s'approche comme on était tellement habitué. C'est comment? Tu l'as déjà dit. Il a parlé mon boule. Tout qui dépend de ça. Et ils descendent, ils arrivent à la maison, ils mangent, l'autre part. Je me rappelle, un bien-aimé était venu une fois. Dit, moi, on voit les souliers, mais ça, ce n'est pas mon numéro. Regarde un peu. La mec qui boit 44, non, là, t'as 45, 44. Mais comme j'étais dans le besoin, frère, le coquin, mon coquin. Le coquin. Alléluia. Bien-aimé, et lorsque quelqu'un était dans les problèmes, regardez une telle ambiance. Lorsque quelqu'un a les problèmes, mais c'est votre problème à tous. Alléluia. Amen. C'est votre bonheur à tous. Bien, le miracle se trouve dans cette vie de communauté. Lorsqu'il y a la communion fraternelle au milieu de frères, et la Bible dit, lorsque deux s'accordent, qu'on commence à demander des choses, bien aimé, l'éternel Dieu ne tarde pas à répondre. Alors, notre dernier point. Comment nous aussi, nous devons aimer les prochains. En voyant le modèle du maître, en voyant l'exemple de l'église primitive, comment nous aussi nous devons aimer les prochains. Le prochain de la première catégorie, femmes et enfants, je ne néglige pas, c'est important. La Bible nous dit qu'il faut prendre soin de sa famille. Principalement, hein, prendre soin de sa famille. Femmes, enfants, il faut prendre soin. Il faut répondre à leurs obligations. Mais prendre soin ne signifie pas seulement pouvoir ou manger au repas. Non. Prendre soin, c'est prendre du temps à prier pour sa famille. Alléluia. Priez d'abord pour ça. Parce que même ce que toi tu ne sais pas faire, quand tu pries, Dieu peut faire au-delà de ce que toi. Alléluia. Prends du temps à prier. Si tu aimes vraiment ta femme et tes enfants, prends du temps à prier pour eux. Osons soit temps, osons foucam, osons bonne la pône à bango. Et j'aime les mamans dans ces prières-là. Les mamans traversent même un enfant qui est en cinquième des humanités. Maman, osons bonne de la tienne, osons bonne de la tienne en mariage, ma banque. Oh. Bon de la terre, non, nous pour la classe. Azot traverser. Si Dieu vous conduit à traverser, traverse. Alléluia. Priez pour les enfants. Priez pour votre femme. Demande la grâce de Dieu. Demande la bénédiction de Dieu. Demande l'assistance du Seigneur. Et ma prière a été toujours, Seigneur, ce que moi je ne saurais pas faire. Parce que je suis tellement ambitieux. Je veux aller plus loin. Mais ce que je ne saurais pas faire, que mes enfants les fassent. Alléluia. Que les enfants les fassent. Que mes enfants les fassent. C'est prendre soin. Et prendre soin aussi, maintenant, c'est pourvoir en termes de besoins pour les enfants. Les parents, les frères et sœurs biologiques, aussi, il faut prendre soin. Mais attention, là aussi, il faut prier. Et principalement, qu'au bon de la pomba pombo la montée, mais s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que tu peux tout faire pour eux. Mais s'ils ne connaissent pas le Seigneur, tu regretteras parce qu'au ciel, tu ne le verras pas. Alléluia. Amen. Donc, prendre soin pour eux. Prendre soin de ces prochains, de ces catégories, c'est d'abord de prier pour eux. Et quand tu pries pour eux, et aussi, il faut les soutenir matériellement, financièrement, lorsque tu as des prières. Alléluia. Par des conseils. C'est prendre soin pour eux. Des fois, nous faisons quoi? Quand nous allons voir dans notre catégorie, généralement, lorsqu'on prie, on est zélé pour le Seigneur. Et l'autre, il est parti la nuit, il est rentré, peut-être à 2 heures. Maintenant, aujourd'hui, avec le couvre-feu, ça nous aide un peu. Il est rentré à 2 heures. Ivre. Et vous devez passer la nuit sur le même lit. Il te fait cette odeur-là.
Donc quand tu te réveilles le matin, tu es déjà dans ma colère. Donc même pour l'inviter à venir avec lui à l'église, il a coup à ma salle. Alléluia. Nous allons voir dans l'autre catégorie. Troisième catégorie, là où nous voulons insister un peu, c'est la catégorie des frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Comment aimer les prochains dans l'église telle que nous sommes? Et je bénis le Seigneur tel que nous sommes là. J'ai béni le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me dit, mais pourquoi tu dis ça, pasteur? Oui, j'ai béni le Seigneur. Parce que je sais que lorsque nous aurons les gens jusque là-bas, la question d'amour va encore se poser davantage. Mais maintenant là, nous pouvons déjà commencer à cultiver et à cimenter cela. Et sauf que tout celui qui viendra se joindre et trouve déjà que oh, sa famille nous souffre. Alléluia. Lorsque je suis amené à prier pour mon frère, à prier pour ma soeur, et je peux même connaître le nom, je prie pour ma soeur telle, je prie pour mon frère tel. Éternel Dieu, affirme mon frère, fais qu'il grandisse, que son ministère aille de l'avant, qu'il soit un serviteur puissant. Éternel Dieu, souviens-toi aussi de sa famille. Bien-aimé, plus tu pries pour quelqu'un sincèrement, plus tu sentiras que tu es encore plus proche de lui dans le cœur. Alléluia. Et tant que mon est plaisir, ce que mon est mawa, tu peux même le chercher. Alléluia. Plus tu pries pour quelqu'un, plus tu les portes dans le cœur. Et plus tu auras besoin d'être avec lui et d'être à côté de lui. Alléluia. Donc, au niveau de l'église, les frères et sœurs, la communion, c'est être sensible au problème de l'autre. Être sensible au problème de l'autre. Être prêt à secourir l'autre. Et l'église primitive nous donne l'exemple. On n'a pas lu beaucoup de textes. Ils étaient les uns les autres. Ils confiaient les problèmes. C'est confier les problèmes les uns les autres. Aujourd'hui, les gens confient même les problèmes aux non-croyants. Et de confier aux frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ce qu'on est ici, à part déjà l'église, nous. Oui, Mickey. Alors les gens se méfient. Non, bien aimé, ça doit être le contraire. C'est ici qu'on doit avoir plus confiance. On peut se confier à son frère. On dit son problème et on est sûr qu'il ne dira à personne. Et nous prions à deux et Dieu nous relève. Alléluia. Vous savez, même certains péchés, les pasteurs peut-être ne même pas être au courant. Peut-être les pasteurs vont être. Tu n'as que comme ça, pasteur. Mais tu peux en parler à ton frère. Frère, Nazar beaucoup fort. Nazar, c'est quoi? J'ai connu telle situation. Mon frère, j'ai connu tel problème. Ma soeur, j'ai connu tel problème. Malgré que les pasteurs nous prêchent de marcher dans la sanctification, même moi j'ai couché hier avec ma celle que je pensais être ma copine ou mon ami. Et voilà que je dois encore servir. Mon frère, quand ça beaucoup fort. Mon frère, nous allons prier. Que Dieu te relève. Alléluia. Amen. Si nous sommes sincères, sincères, bien aimés, nous n'allons pas connaître les progrès avec le Seigneur. Mais si nous sommes prêts à avouer les péchés, auprès des les uns et les autres, à prier les uns pour les autres, bien aimés, nous allons connaître des progrès terribles dans le Seigneur. Alléluia. Et c'était ça l'église primitive. Prier pour eux. Prier avec eux. Se réjouir de leur bénédiction. Alléluia. Tel que nous sommes frères, nous devons nous réjouir de bénédiction. Un bien-aimé donne une action de grâce. Dieu m'a béni, j'ai trouvé du travail. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Le Seigneur est en train d'entendre nos prières. J'ai toujours dit aux bien-aimés de Ville Nouvelle, c'est tous ceux qui travaillent avec moi au département d'évangélisation, qu'aucune de vos bénédictions ne peut m'effrayer. Alléluia. Parce que déjà dans la prière, moi j'ai prié pour ça. Donc quand quelqu'un m'appelle, pasteur, tu sais quoi? Quand j'ai fait le test là, je suis le seul à être retenu. Je dis gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Bien-aimé, si tu prends du temps à prier pour les gens, pour qu'ils soient bénis, pour qu'ils soient prospères, bien-aimé, tu verras même ton cœur va commencer à devenir prospère. Alléluia. Ton cœur va commencer à devenir prospère. Et tu auras la paix dans ton cœur. Tu auras la joie dans ton cœur. C'est comme si les bénédictions que tu vois auprès des gens, ce sont en réalité des bénédictions. Hein? C'est comme si Yom Dopé s'est dit par mot. Tu te réjouis de bien des autres. Ce qui tue l'église, souvent, c'est que les gens se trouvent comme dans une compétition. Quand tel est béni, tel est marié, les autres disent, non, à combien de bambou tenait à changer. Il y a peu de temps au bali pour changer pour que ça va être bambou. Si tu as la simple, Dieu aime les gens qui restent simples, effacés. Quand vous êtes simple, effacé, Dieu peut vous monter, faire monter encore plus loin. Mais ce que vous dites, vous m'attaquez, vous m'attaquez. Vous avez un peu de temps, kilo, à côté de la proportion. Et ce qu'il y a pour ceux qui évitent, on va dire que vous reste simple. Alléluia. Reste simple. Même si tu deviens ministre, quand tu viens à l'église, le frère de dimanche, tu peux me dire que le regard. Comme pour lui dire, tu ne sais pas que je suis déjà devenu ministre. Non, reste simple. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est rendre visite. Je n'ai pas vu. On m'a dit qu'il a un problème. Je veux le rendre visite. Je peux passer. Peut-être que tu ne prendras pas tout le temps. Même 10 minutes, tu prends visite à la personne. Même si tu ne sais pas rendre visite, tu peux appeler la personne. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi la situation? Non, je suis dans telle difficulté. Est-ce qu'on peut se voir à l'église tel jour? Oui, je veux voir si je trouve la force. On va prier pour toi. C'est ça. C'est ça l'église. La communion fraternelle. Lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés, quelqu'un t'est éprouvé, nous pouvons tous aller visiter la personne. Et vous savez quoi? Lorsque nous allons visiter cette personne éprouvée, nous, église, il y a deux choses. Notre frère ou notre soeur est consolé. Et les gens qui voient, qui demandent, ça c'est qui? Ces gens sont d'où? On dit de telle église. Donc c'est comme ça qu'ils se comportent dans l'église. Donc il y a des gens qui sont évangélisés seulement en voyant l'amour entre les frères. Alléluia. Amen. Très important. Et nous terminons par le dernier point. Le temps nous a talonné. Le non-croyant. Ici nous étions au niveau de l'église, frères et sœurs. Mais il y a la dimension de non-croyant. Les gens du dehors. Les gens du dehors. Comment nous devons aimer les gens du dehors? Bien aimés dans le Seigneur, il y a deux choses principales, je dirais même trois, qu'il faut faire pour les gens du dehors. La première chose, c'est de prier pour eux. Alléluia. Prier pour eux pour que Dieu les visite, pour que Dieu les touche et qu'ils se convertissent. Je parle de non-croyants. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Comment je dois aimer celui qui n'est pas dans le Seigneur? Dans ce monde de la Ponaïe, sauf que ça dans le quartier Nangaï, dans l'auditoire Nangaï, dans le bureau Nangaï, je prie pour cette personne pour que Dieu, l'amour de Dieu le touche. Deuxième chose, je lui apporte l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la parole d'amour. Alléluia. C'est la parole du salut. Je lui apporte l'évangile. Donc je témoigne Christ auprès de cette personne. Troisième chose. Je visite cette personne. Même en cas de maladie, même en cas de situation difficile, je visite cette personne. Les chrétiens ne peuvent pas dire, non, je vais aller visiter seulement les chrétiens. Non. Quand même le non-croyant est dans les preuves et dans les problèmes, vous les visitez. Peut-être au travers de cette visite, vous pouvez avoir le temps de lui placer leurs paroles et même de l'inviter à vous rejoindre à l'église. Alléluia. Et il y a, dans le non-croyant, il y a même la dimension des ennemis. Comment je dois me comporter
envers mes ennemis. Comment je dois aimer les ennemis? La Bible dit, aimez vos ennemis. C'est-à-dire quoi? Priez pour eux, pour que Dieu les touche et qu'il abandonne cette voie. Mais aussi, vous priez pour que les œuvres du diable ne soient pas manifestes dans leur vie. Et que ces œuvres ne puissent pas se répandre pour détruire la vie des autres. Priez pour les ennemis. Alléluia. Il n'y a pas seulement à dire, tout le monde a nos âmes. Non, non. Prie d'abord pour qu'ils se convertissent. Alléluia. Ça m'a conduit ma bambou. Mais si Dieu le touche dans son amour et qu'il vient au Seigneur, nous allons gagner doublement. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Et la conclusion, comme Jésus a dit à cet homme, toi aussi va faire de même. Alléluia. Toi aussi va faire comme Jésus. Toi aussi va faire comme l'église primitive. Toi aussi va faire comme le samaritain. Alléluia. C'est-à-dire être sensible aux problèmes des autres, dans l'église, même en dehors de l'église. Nous allons prier ce matin. Nous allons nous incliner dans la prière. Comme je l'avais dit, c'est l'onction supérieure. L'amour est l'onction supérieure. Chacun va demander l'amour de Dieu dans son cœur. Saint-Esprit, répand l'amour dans mon cœur. Répand l'amour dans mon cœur. L'amour véritable. L'amour pour toi et l'amour pour le prochain. Répand l'amour dans mon cœur. Répand l'amour dans mon cœur. Répand l'amour dans mon cœur, Seigneur. Répand l'amour dans mon cœur. Répand l'amour dans mon cœur, Seigneur mon Dieu. J'ai besoin de l'amour pour le prochain, de l'amour pour mon frère et soeur de cette église, de l'amour même pour ceux qui sont du dehors. J'ai besoin de l'amour, Seigneur. Alléluia, répand l'amour dans mon cœur, répand l'amour dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, répand l'amour dans le cœur. Répand l'amour dans le cœur, l'amour véritable. Répand l'amour véritable dans le cœur, l'amour du prochain. Que le problème de ma soeur, de mon frère soit ma préoccupation. Éternel, que je sois sensible même aux problèmes de ceux de dehors. Seigneur, répand l'amour dans mon cœur. Répand l'amour dans mon cœur. Alléluia. Répand l'amour dans mon cœur, Seigneur. Alléluia. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande l'amour de Dieu dans le cœur. Demande l'amour de Dieu dans le cœur. C'est le plus difficile, bien-aimé, d'avoir l'amour véritable de Dieu dans le cœur. Et le Saint-Esprit est là pour répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, accorde-nous ce cœur qui sait porter les autres. Seigneur, accorde-nous ce cœur qui sait aimer, Seigneur. Alléluia. Viens briser l'égoïsme. Qu'on le garde beaucoup
motema oyo Yesu oyo za capacité ko li babote pesa kama kokki pesa kama kasi Yesu akola kinga babususu pesa kama kasi ya kolita yo ano tene Seigneur et aide moi aimer le prochain viens briser le péché parce que tu es bon et tu es merveilleux. Accorde-nous cette capacité de t'aimer. Ces cœurs qui aiment. Nous voulons aimer nos prochains. Seigneur, ceux qui nous sont proches. Nous voulons même aimer, Seigneur, oh Dieu, même nos ennemis. Ceux qui nous veulent du mal. Aide-nous, Seigneur, à prier. À prier pour leur conversion. Aide-nous à nous porter le fardeau les uns et les autres. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à nous soutenir les uns et les autres. Merci parce que tu es bon et merveilleux. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, au Père, nous voulons aussi te recommander, Seigneur, ces offrandes que nous voulons t'offrir, Seigneur. Yahweh, nous prions que ces offrandes servent pour l'avancement de ton œuvre. Que ton peuple soit béni, Seigneur, oh Dieu. Et tu te souviennes, oh Dieu, de ceux-là qui ont quelque chose, ceux-là aussi qui n'ont rien prévu. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que ta bonne main soit sur eux. Que tu visites chacun de nous. Merci parce que tu es bon et merveilleux. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi. Viens nous faire du bien. Bénis ton église financièrement. Tu connais nos besoins. Ce besoin que nous avons pour le groupe. Ce besoin que nous avons pour harmoniser le parlement. Et donc, ta main, Seigneur, visite-nous encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu nous conseille. Koloya bomoi nanga Yesu ngana bengi yombo kozi Koloya bomoi nanga Oh aleluya Nabazela nanga nyoso Nalingi nasambola nini Nasambola yo Nabazela nanga nyoso Nalingi nasambola aussi pour ajouter le reste. Alors, j'aimerais premièrement nous rappeler ce programme que nous avons. C'est un programme de prière. Nous allons devoir placer la fiche de l'autre côté, mais nous voulons vraiment insister par rapport à ce programme de prière. Le programme s'appelle une semaine de prière. En fait, nous allons commencer du lundi jusqu'au dimanche. Donc, on va dans lundi, petit dimanche. Semaine au thé, au toujours pas daté, semaine au moussou soir. Amen, amen. Alors, je pourrais vraiment vous confier. Je sais que
Beaucoup d'entre nous, parfois nous travaillons, il y a certains qui sont des étudiants, d'autres qui sont des élèves, mais si nous pouvons nous efforcer, vraiment faire de notre mieux, d'être là afin de chercher la face de Dieu, je pense que Dieu va se manifester encore dans la vie de chacun de nous. Amen, amen, amen. C'est pas la semaine que nous allons commencer, mais la semaine en 8. Donc, ne manquons pas, soyons là. Le Seigneur va certainement nous faire du bien. Vous allez me permettre rapidement, je veux vous partager un témoignage. Peut-être un autre témoignage, on partagera ce témoignage le dimanche prochain. Il y a une sœur, c'était le dimanche 6, le dimanche 6 juin. Pendant que nous étions en train de prier, elle nous suivait, pas ici, elle nous suivait en Autriche. Et cette sœur avait un problème avec son enfant. Ils ont pratiquement passé toute une semaine, l'enfant faisait des fortes fièvres. Et ça ne baissait pas. C'était vraiment difficile pour elle. Alors, elle priait avec nous sur le live, sur Facebook. Elle priait avec nous. Alors à la fin, lorsque le frère qui était devant a demandé qu'on puisse prier pour le malade, nous sommes passés aussi pour nous demander d'acclamer. Et l'enfant qui n'entendait pas le français, lorsqu'on a dit acclamons pour le Seigneur, si nous croyons que Dieu nous a guéris, il s'est aussi mis à acclamer. Et la maman dit, quelques temps après, l'enfant s'est endormi, alors qu'il avait de fortes fièvres. Il s'est endormi. En se réveillant, il était en très bonne santé. Cette soeur nous a écrit. Elle nous a écrit, moi-même je ne savais pas, elle a écrit au travers de mon épouse. Elle a écrit, voilà maman, ce qui m'est arrivé. Je suivais les cultes, je priais avec. Voici ce que Dieu a fait. Mon enfant avait de fortes fièvres et Dieu l'a guéri. La fièvre a complètement disparu. Bien-aimé, si celle qui est là-bas en Autriche, Dieu peut la visiter. À plus forte raison, nous qui sommes ici, lorsque nous prions, est-ce que Dieu n'est pas capable de nous visiter? Le Seigneur est en train d'agir. Cette semaine, alors que nous étions en prière, c'était le jeudi qu'on priait, le Seigneur nous a parlé au travers d'une sœur pour nous dire que dans le calme, il est en train d'agir. Et nous sommes en train de l'aimer. Il y aura d'autres témoignages qu'on pourra vous le partager. Lorsque on nous convie, frères et sœurs, venez, on va prier pour Samarate, pour Atarate. Amen, amen. Yaratosabe. Dieu est là et il agit. Vous avez posé la au nom d'un homme au salaté. Ça, mais tout le monde n'a rien à me faire. Ah, dit qu'à mon aïe, au camarade Fumbadi. Ah, et l'autre, vous avez dit, pas si ça, pas ça, il est Fumbadi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Dieu nous fait grâce et des témoignages. Ne manque pas. Ne manquons pas. Invitons de gens. Venons chercher la face de Dieu. Il y aura d'autres orateurs qui vont aussi passer avec nous ce temps. Donc, ça sera du lundi 28 au dimanche 4 juillet, du lundi au samedi, nous serons là de 17h30 à 19h30, donc notre programme ordinaire. Mais le dimanche, on sera là de 8h à 10h, comme on le fait d'habitude. Donc soyons là, le thème c'est Yadolanga. C'est tiré du livre de Psaume, chapitre 65, verset 2, où la Bible dit toi qui écoutes le prière, tous les hommes viendront à toi. En quoi nous croyons que Dieu entend le prière? Et il exauce. On veut plus nous focaliser dans la pensée de l'exaucement. Et nous croyons que pendant ces une semaine, Dieu va exaucer une personne. Dieu va exaucer. Viens avec l'attente de recevoir quelque chose. Alors, pour mieux préparer cela, nous savons, pour mieux préparer cette activité, cette semaine, nous serons en prière. Du mercredi au vendredi, nous serons en jeûne de prière. Pour préparer l'activité, viens aussi prier. Amen, amen. Viens préparer ce temps. Lorsque tu verras, Dieu ajoute, te dira, Seigneur, ça sera une expérience de plus pour toi, un témoignage de plus. Mercredi, jeudi, vendredi, on est en jeûne et en prie. On sera ici en ces lieux pour chercher la face de Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alors, je vais demander à l'accueil si on peut nous aider. On va quand même donner à chacun de nous deux. Ceux qui sont plus robustes, peut-être pour en prendre trois. Partageons, invitons les gens, demandons-leur de venir. Amen, amen. Et si vous avez la possibilité de prendre le numéro de ces personnes, prenez le numéro, rappelez-leur, dites-leur, nous en avons une semaine à prière. Yaka, yara, tout ça, que la tenue que l'on vient. Amen, amen. Alléluia.
Alléluia. Voilà. À part ça, j'aimerais aussi insister par rapport à ce que nous avons présenté au sujet de notre groupe. Le groupe pose un sérieux problème. Ce n'était pas prévu. Ce mois, on avait envisagé vraiment faire harmoniser le pavement. Dieu nous fera grâce. Cette semaine, les travaux vont commencer. Donc, nous aurons notre semaine de prière. Partout, on n'aura pas les sables. On fera remonter notre mieux que partout on ait un pavement. Si ça ne sera pas uniforme, mais il y aura quand même pavement. Amen, amen. Il y aura quand même pavement. Et surtout, attention au niveau pour comment pantalon et biba ma cassité. Biba ma cassité. Donc, on a ça et on va aussi faire de notre mieux d'avoir ces groupes. Merci à ceux qui contribuent déjà. Il y a des bien-aimés qui ont réagi pour la contribution du groupe. Ceux qui n'ont pas encore réagi, faites quelque chose avec la grâce de Dieu avant la fin de cette semaine, peut-être avant la fin du mois, nous aurons notre nouveau groupe parce que celui que nous utilisons, c'est un groupe de seconde main. Donc ça, il faut réparer. On répare pratiquement chaque semaine, on répare. Chaque semaine, on repart. Et on veut passer cette étape de réparation. Amen, amen. La transformation, c'est aussi la nouveauté. Ce n'est pas seulement de réparation, il faut aussi la nouveauté. Et Dieu soit béni, nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander au frère Saint-Pierre rapidement de venir donner le reste et de communiquer. Et après, je vais recevoir le nouveau venu et on va clôturer. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Quelques communiqués à l'est de l'église. Le pasteur reçoit chaque mardi de 14h à 19h. Vous avez besoin d'un conseil, besoin d'une orientation particulière, vous pouvez passer pour voir l'homme de Dieu le mardi de 14h à 19h. Il y a étude biblique chaque mercredi de 17h30 à 19h30 en ces lieux. C'est pour nous aider à grandir, l'église grandit avec des enseignements. Il y a cette étude biblique qui se fait chaque mercredi. Nous avons la possibilité de poser des questions à différentes préoccupations par rapport à la Bible. Les jeudis, nous sommes en réunion de jeûne et prière ici. La première partie va de 10h à 12h30 et la deuxième partie de 17h30 à 19h30. L'église annonce l'organisation d'une semaine de prière. Les pasteurs en ont déjà parlé, qui ira du 28 au 4 juillet. Thème, il y a le lama, psaume 65, verset 2. En marge de cette préparation, le pasteur en a parlé. La semaine qui commence, nous serons en jeûne et prière. Chaque de mercredi jusqu'au vendredi, de 17h30 à 19h30. La chorale a débuté avec ses répétitions la semaine passée. Et cette semaine encore, elle continue. La répétition, c'est pour les mardis de 17h, de 16h30 à 19h30 et le samedi de 13h30 à 16h30. Il est demandé aux choristes absents lors d'une réunion de voir les pasteurs avant toute répétition. Il n'y a plus d'autre chose. Ainsi que le Seigneur vous bénisse, on vous bénisse. Encore encourager le Père Saint-Pierre, merci pour les communautés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, on va vous recevoir. Vous êtes tellement spécial, tellement spéciaux pour nous. Ceux qui sont maladroits, ils sont au haut et à l'issue. Balance seulement ta main, on va te voir et vous recevoir d'une manière spéciale. Merci maman. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Merci mon frère. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Merci, nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux de vous porter parmi nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes la maison de transformation, extension de l'église Ville Verte, extension de la Borne. Donc, si vous n'avez pas une église d'attache, faites de celle-ci la vôtre. Mais si vous en avez, en retournant, transmettez vos salutations fraternelles. Et à la fin, ne soyez pas pressés. Vous allez vous mettre ici devant. Il y a le bien-aimé, mon frère, qui va venir ici. Un bien-aimé qui va vous recevoir. Merci beaucoup, maman. Merci, mon frère. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Amen, amen, amen. Amen.
Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur et le Seigneur Jésus? Et j'aimerais aussi nous rappeler nos cache-nez, s'il vous plaît. Nos cache-nez. Quand nous venons avec. Certes, on fera quand même de notre mieux, Frère Isaac, d'avoir toujours un petit paquet de réserve. Mais que chacun, lorsqu'il vient, vient avec ton cache-nez. Amen, amen. Amen, amen. Et ça, sérieux. Pour le barat, t'es pris, t'es là, et ça, sérieux. Donc, viens avec ton cache-nez, c'est très important. Et prenons l'habitude vraiment de nous laver de temps en temps le bain. Et Dieu nous a fait grâce, on a donné des cache-nez pour les enfants. Mais si vous avez des enfants qui sont à l'écoute, faites aussi de votre mieux. Et quand ils viennent, ils aient leur cache-nez. Amen, amen. Que Dieu soit béni, le pasteur Didier, je devais le présenter, il a fait lui-même l'un de nos pasteurs à l'église mère de Ville Nouvelle à Bokapola. Alors qu'il va venir encore nous bénir, bénir l'assemblée de Dieu. Et voilà, on va recevoir sa dernière bénédiction pour aujourd'hui. Nous allons prier. Je préfère si nous sommes des bien nommés dans le ciel. Moi, je suis convaincu que le véritable amour vient du ciel. Alléluia. Le véritable amour vient du ciel. Et vous vous rendrez compte que jour après jour, vous aurez encore besoin de l'amour de Dieu. Les déceptions que peut avoir, même au niveau de l'église, certains frères, certaines sœurs peuvent créer un problème. Mais s'il y a de l'amour, tu peux supporter, tu peux pardonner et tu peux continuer avec le Seigneur. Père de gloire, tu es amour. Et tu veux que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. Et tu veux que nous ayons de l'amour pour le prochain. Et tu nous dis même d'aimer les prochains comme nous nous aimons, Seigneur. Combien difficile, éternel Dieu, accomplir ses commandements. Mais cela est possible si la vie de Christ est en nous. Si l'Esprit Saint est en nous. Père, nous prions ce matin par le Saint-Esprit. Répands l'amour dans le cœur. Répands l'amour dans le cœur, Seigneur. Que cette Église éternelle, ô Dieu, ait aussi la renommée d'être une Église rempli de frères et sœurs qui ont de l'amour les uns pour les autres. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Fais-le pour ta gloire, éternel Dieu. L'amour éternel pour nos frères et sœurs biologiques. L'amour éternel pour les frères et sœurs dans le Seigneur. Mais l'amour même pour ceux qui ne te connaissent pas, Père. Répands cet amour dans le cœur. Éternel Dieu, le monde a besoin de l'amour et nos cœurs ont besoin de cet amour. Bénis chacun de nous, Seigneur. Tu connais, éternel Dieu, le problème, les préoccupations de tout un chacun de nous, Seigneur. Tu veux que nous ayons les cœurs libérés, des cœurs éternels remplis, non pas de méchanceté, non pas de haine, non pas de rancune, non pas de jalousie, mais remplis de ton amour, afin de te permettre d'accomplir de miracles dans nos vies. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Et raccompagne-nous en paix, en sécurité dans nos maisons. Bénis cette église. Rends puissante cette église. Prospère, éternel Dieu. Et pourvois tous les besoins, Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis toute sa famille. Bénis tous ceux qui œuvrent, éternel, dans cette église. Et cela pour ta seule gloire. Permets que nous puissions rentrer en paix, en sécurité dans nos maisons. Et que nous puissions communiquer la paix, la joie, l'amour à tous ceux qui sont autour de nous, dans nos maisons, dans les rues, dans nos bureaux, dans nos auditoires, et cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons amen. Que Dieu nous bénisse, bon dimanche. Nos amis de baptême.